Le grand format de l'actualité sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, dégradation de la paix à travers le monde. En cette journée mondiale de la paix, la rédaction de Vision 4 vous propose un gigantesque dossier sur les causes de cette dégradation de la paix. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est pointée d'un doigt accusateur. On constate également une sorte de bipolarisation du monde, mais également le radicalisme qui s'est installé au niveau des États. Dégradation de la paix, à qui la faute? C'est la thématique principale de ce grand dossier. À la une de cette édition également, des questions autour de la liberté de la presse au Cameroun. Dans le cadre de l'affaire Ahmed Abba, le correspondant de Radio France Internationale, et les divers rapports qui accablent au Cameroun, les professionnels des médias vont réagir dans cette édition pour faire le point de l'état des libertés de la presse, mais également une parfaite connaissance des délits de presse dans notre pays. C'est également un focus à suivre absolument. En République centrafricaine, comment ramener les enseignants vers les établissements scolaires dans les zones considérées comme peu stables? Le gouvernement centrafricain vient de prendre une série de mesures, la plus forte étant le paiement de 3 mois de salaire aux enseignants appelés à retrouver leur poste de service. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au nouveau ce journal par cette affaire qui secoue le Cameroun depuis 24 heures maintenant. C'est une nouvelle affaire de bébé porté disparu ou volé. Cette fois-ci, c'est le centre hospitalier et universitaire, le CHU de Yaoundé, qui est concerné. C'est une famille qui accuse cette institution hospitalière de distraction d'un bébé, un enfant prématuré qui est quand même décédé depuis le mois de juin dernier. Comment comprendre cette affaire alors que l'hôpital a réagi en brandissant un communiqué datant du 30 août et qui dégage sa responsabilité? Florent Zanga a mené une enquête. Près de 3 mois après l'annonce du décès de bébé Noah par le CHU, où il a été conduit quelques heures après sa naissance, la disparition du petit garçon, né prématurément à 6 mois, au quartier Nkolbison, ne semble pas convaincre les parents. Je dis que ce n'est pas mon bébé parce que, d'abord, quand j'ai accouché mon bébé était brun, bien brun, et il avait une petite tache noire au niveau d'ici là, parce que j'ai vu mon bébé quand j'ai accouché. Celui qu'on nous a présenté n'avait pas de sens. Je ne sais comment expliquer. Selon le communiqué du centre hospitalier universitaire de Yaoundé, le bébé serait mort le 28 juin 2017, soit 5 jours plus tard, après son admission et mise à la mort en l'absence de la présence parentale. À notre grande surprise, le 27, on nous appelle que le bébé est décédé. Et c'est ce jour que j'ai reçu un interrogatoire de la pédiatre. Et elle m'a rassuré que le bébé se porte bien. Les parents saisis par téléphone sont signifiés de la nécessité de payer les frais d'hospitalisation et de morgue afin d'entrer en possession du corps du bébé qu'ils ont refusé. Mon bébé était pratiquement nu. Le genre où on n'avait que des fines chevelures couchées sur la peau. J'ai vu hier, la chevelure était pleine. Légèrement roulée, la chevelure était pleine sur la tête. Le corps du bébé Noah se trouve toujours à la morgue du CHU. L'affaire fait l'objet d'une enquête à la police judiciaire de Yaoundé où un test d'ADN est envisagé. Il faut préciser que la direction générale du CHU a rendu public un communiqué datant du 30 août dernier sur 6 points pour dégager sa responsabilité, mais également informer les uns les autres de ce que le corps du bébé concerné serait encore à la morgue de ce centre hospitalier. C'est une affaire à suivre. Et puis, Bamenda, le chef de la région du Nord-Ouest, a été secoué ce matin par l'explosion d'une bombe, dit-on, artisanale. On a là quelques images qui nous viennent justement de Bamenda sur le lieu de cette explosion, mais également des mesures qui ont été prises. Le bilan qui vient du Nord-Ouest fait état de 3 blessés, des policiers qui étaient en faction pendant ce malheureux incident qui a paralysé quelque peu le chef-lieu du Nord-Ouest en créant une sorte de psychose. Le gouverneur est descendu sur le terrain
avec également un passage du côté de l'hôpital régional de Bamenda où les blessés sont actuellement suivis. Certains cas de ces blessures, selon des sources, semblent être graves. Un cordon de sécurité a été installé par les forces régulières. Et en fin d'après-midi, en début de soirée, le calme est revenu à Bamenda grâce également à printemps au dispositif mis en place pour la sécurité, le renfort des forces de maintien de l'ordre. À ce sujet, justement, je vous propose d'écouter le gouverneur de la région du Nord-Ouest. Il revient sur ce qui s'est passé. Je voudrais dire que nous avons vécu ce matin à Bamenda un incident des policiers de faction au service de la nation et de la République ont été la cible d'une attaque terroriste qui les a visés, entraînant la blessure de trois d'entre eux qui sont en ce moment pris en charge à l'hôpital régional de Bamenda. Il s'agit là d'une étape nouvelle dans la situation à laquelle nous avions à faire face auparavant. Il s'agissait d'actions de démobilisation de la population. Nous entrons maintenant dans une phase terroriste. Et bien évidemment, pour faire face à la situation, le gouvernement de la République va prendre toutes les mesures pour ramener la situation à la... Cette situation a suscité de nombreuses réactions, notamment celle de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui vient de réagir à travers un communiqué radio-télé. L'Union des populations du Cameroun écrit ceci. L'UPC a appris avec consternation l'attentat perpétré à Bamenda ce jour contre les forces de sécurité, acte qui témoigne de la détermination de certains groupes à déstabiliser le Cameroun. L'UPC dénonce les dérives de ce qui, jusque-là, semblait être une simple revendication visant à consolider notre vivre ensemble. Revendication à laquelle le chef de l'État a pris des mesures susceptibles de ramener la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Face à l'escalade actuelle, le parti historique invite les populations du Nord-Ouest et Sud-Ouest à plus de responsabilité devant cette tragédie, tout en appelant à la vigilance et au soutien à l'endroit du gouvernement et des forces de sécurité afin que la paix soit sauvegardée dans notre pays. Dans cette perspective, l'UPC apporte son soutien à nos forces de sécurité, au président de la République et chef de l'État pour prendre des mesures qui exigent la stabilisation de la situation. C'est signé du secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, l'honorable Robert Bapo-Lipon. Et puis une situation également critique enregistrée en fin d'après-midi à Tchang, dans le chef-lieu du département de la Menoua région de l'Ouest. C'est un immeuble de 5 niveaux qui s'est effondré, un immeuble encore en chantier. Vous allez le voir dans les images que la réalisation va certainement nous proposer. C'est ce chantier qui a connu cet incident grave. Actuellement, les secours sont mobilisés sur le terrain. Le gouverneur de la région de l'Ouest vient également d'arriver du côté de Tchank. Les sapeurs-pompiers partis de Bafoussam sont à pied d'œuvre. Toujours pas de corps ou de vivants retirés des gravats. On va essayer de faire le point avec le maire de la commune de Tchang, Baudelaire Donfak, qui est sur le terrain depuis 16 heures, heure de survenue de cet événement. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Vous êtes justement à Tchang. On annonce l'arrivée sur le terrain du gouverneur de la région de l'Ouest. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il en ce moment sur le terrain? Les engins continuent à enlever les gravats pour qu'on puisse faire avoir d'accès et essayer de voir si on peut avoir des survivants dans les décombres. Donc à l'heure actuelle, il y a un corps qu'on a pu percevoir à partir de gravats qu'on a créés, mais il est sous une dalle. Donc il y a possibilité de faire qu'il y des survivants. Mais la tête est extrêmement très très difficile puisque nous n'avons pas les engins appropriés pour ce genre de catastrophe. Donc depuis 16 heures, la population et toute la ville est sur place. La ville de Tchang, on est debout, on est à côté, on est
au lieu du sinistre, nous tentons de faire, de voir si on peut avoir des survivants. Cet immeuble était encore en construction. Une pluie diluvienne s'est abattue aujourd'hui du côté de Tchang. Est-ce que les services techniques de la mairie et haute autorité ont quand même veillé à ce que l'immeuble soit construit dans le respect des normes? Allô? Allô? L'immeuble était en construction. C'était en construction. Et au bout de ce jour, il y avait 8 personnes soir, qui y travaillaient. Il y a un qui, le soir, a décidé d'aller manger. Il est revenu là, il a trouvé le soir que l'immeuble était tombé comme un château de carte sous la pluie qui est tombée, qui a revenu notre cité cet après-midi. Donc, entre 15h30 et 16h. Donc, c'est le seul suivant que. C'est un immeuble R+5 qui s'est ainsi effondré. L'immeuble était encore en chantier. Le gouverneur de l'Ouest est déjà sur le terrain. Les sapeurs-pompiers partis de Bafoussam s'activent avec le secours des populations pour essayer de retirer soit les corps, soit des survivants. Et des informations que nous avons, notre correspondant sur place indique que les voix sont entendues au fond des gravats. Il y a également un manœuvre sur le terrain qui dit avoir reçu un coup de fil du chef chantier qui serait également prisonnier du béton. C'est une affaire que nous suivons attentivement. On aura certainement d'autres informations avant la fin de ce journal. Le Cameroun, depuis hier également, a ouvert un nouveau débat sur la liberté de la presse. Un rapport venant du Comité pour la protection des journalistes indexe le Cameroun, indiquant que le Cameroun étudie désormais la loi antiterroriste pour museler la presse. Le ministre de la Communication a réagi hier au sujet de cette affaire qui concerne le correspondant de RFI détenu et emprisonné au Cameroun. Les hommes de médias ont réagi également. Y a-t-il une frontière entre les délits de presse et les faits qui semblent peser contre ce correspondant de Radio France Internationale? La liberté de la presse est-elle menacée au Cameroun? C'est l'objet de cette enquête. Nous ne sommes pas en 3 mai, jour dédié à la liberté de la presse, mais c'est tout comme. Le récent rapport sur la protection des journalistes, initiative d'une association à but non lucratif, fondée depuis la décennie 80 et basée aux États-Unis, association accusant le Cameroun de museler la presse, donne du grain à moudre aux professionnels des médias camerounais. Sur l'état de la liberté de la presse, justement, les historiens du présent ont de la suite dans les idées. Sur le plan de la liberté de la presse, malgré tout ce qui est dit, il y a quand même des efforts qui sont ressentis dans le cadre de la liberté de la presse dans notre pays. Des efforts que ce soit bien sûr sur le plan de la liberté de déclaration dans les médias, du traitement des sujets par la presse camerounaise, on ressent quand même une certaine liberté qui mérite d'être canalisée. On peut quand même se féliciter des avancées observées jusqu'ici, mais il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre d'entraves, il y a un certain nombre d'actions qui sont posées par un certain nombre de personnes ou d'autorités qui empêchent l'évolution de cette liberté de la presse dans notre pays. Des avancées louables, certes, mais encore faudrait-il reparer quelques manquements pouvant donner raison à ces chancelleries occidentales promptes à grossir les faits à la moindre occasion. C'est de la responsabilité aussi du gouvernement de voir comment capitaliser le secteur des médias, comment le foisonner dans le cadre économique pour qu'il y ait moins de dérapages, moins d'écarts de comportement et qu'on ait une presse un peu plus libre, parce que le gouvernement aussi doit savoir que s'il continue à tirer les ficelles à travers la bourse qu'ils détiennent et que les autres n'aient pas la bourse, je parle de nous, et forcément il y aura des dérives et des dérapages et l'extérieur va nous frapper dessus. Pour le cas Ahmed Abba, argument utilisé pour condamner le Cameroun, les précisions sont faites sur le contexte de l'arrestation de ce correspondant réel ou supposé de la Radio France Internationale. Nous étions dans une situation de crise et cette situation de crise a bel et bien voulu que l'État puisse entreprendre certaines initiatives afin de ne pas perturber la sérénité des populations camerounaises. Par conséquent, donc, tout acte ayant un lien avec, bien sûr, le terrorisme devait être condamné et les coupables devaient être sanctionnés. Entre accusation et récusation, au sujet du traitement infligé aux journalistes, nombre d'observateurs formulent le vœu ardent de voir le landerneau médiatique sous un beau jour.
Ministre de la Communication, il n'y a pas de journalistes en prison au Cameroun, notamment ceux qui auraient été arrêtés et poursuivis pour des pratiques liées à l'exercice de leur métier. Et du coup, la question revient au goût du jour, celle concernant les délits de presse. À quel moment doit-on parler de délits de presse, de fautes commises par les journalistes dans l'exercice de leur fonction? C'est l'objet de cette enquête menée par Gaël Jakam. Le délit de presse au Cameroun, une expression certes connue de tous, mais en même temps difficile à cerner. Un délit de presse, c'est un délit commis par le moyen d'un organe de communication. La radio, la presse écrite, la télévision et tous les autres moyens de communication. C'est-à-dire qu'on a publié ou diffusé une information qui est constitutive d'une infraction prévue soit par la loi sur la presse, soit par le code pénal. Le code pénal, quant à lui, n'a pas encore attribué une définition à ce concept. C'est-à-dire que pour parler de délit de presse au sens juridique du terme, il faudrait que ce délit soit fixé par une loi sur la presse. Parlant du statut du journaliste en ce qui concerne cette question, il est de bon ton de noter que ce dernier est incontestablement le sujet le plus exposé à la commission du délit commis par voie de presse. Un tel acte ne saurait dès lors passer inaperçu au regard de la lourde tâche qui lui incombe dans l'exercice de sa profession, celle de la collecte, du traitement, de la diffusion, en passant par la vérification de l'information. Pour le professeur Albin Bida, le terme dépénalisation relève sans doute d'une violation d'un principe de la démocratie qui prône l'égalité des citoyens devant la loi. Mon avis est connu de tout le monde. La dépénalisation des délits de presse serait d'abord une idiotie juridique. Parce que si on dit dépénaliser, ça veut dire qu'on supprime les peines. Est-ce qu'on va donc laisser les gens commettre des infractions parce qu'on aura supprimé les peines? Et qu'en est-il de l'affaire Ahmed Abba? L'enseignant de journalisme déclare dans son interview accordée au journal Essentiel qu'il ne s'agit pas d'un délit de presse. Ce monsieur est poursuivi en tant que citoyen, conformément aux dispositions de l'article 107 du Code pénal. C'est dire que le délit de presse ne saurait alors rimer avec délit de droit commun. Reparlons de cette crise anglophone. À la suite de l'explosion de cette bombe, des mesures conservatoires ont été prises à Bamenda avec un couvre-feu de 19h à 6h du matin. Et cet événement arrive pratiquement 10 mois après le déclenchement de la crise anglophone. L'État a déployé structures et initiatives, mais l'observation générale fait état de l'absence sur le centre des négociations des leaders d'opinion politique, notamment l'élite du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 10 mois plus tard, pas d'action forte, mais surtout des réactions fortes des observateurs. Michel Siré-Tchungi. Les fauteurs de troubles dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont identifiés depuis le début de la crise. Il s'agit bel et bien des fils de ces deux régions, connus par des élites qui jusqu'ici sont muettes. Aucune descente sur le terrain pour apaiser les tensions. Nous relevons l'inertie des élites qui ne sont pas descendues sur le terrain, soit pour essayer d'apaiser, soit pour ramener à l'ordre ces jeunes qui descendent dans la rue pour détruire. Elles sont pour la plupart restées dans leur fauteuil huppé. La destruction des édifices publics n'est pas leur affaire. La sécurité des populations également. Du moins, quand leurs intérêts ne sont pas menacés, il n'y a pas lieu d'intervenir. Du coup, la légitimité est mise en cause. Il y a une question maintenant entre l'élite politique et l'élite légitime. Est-ce que l'élite qui jusque-là a été positionnée comme étant l'interface entre le pouvoir gouvernant le Yaoundé et les populations sur le terrain, est-ce que cette élite-là a été effectivement légitime pour être l'interlocuteur, c'est-à-dire celle qui porte les désidératas des populations à la base vers le haut? Le Social Democratic Front, parti majoritaire dans ces régions, est dans la danse. Ces leaders tiennent plutôt un discours qui ne fait pas avancer. Ils proposent littéralement le fédéralisme. Mais est-ce que c'est le fédéralisme qui va vraiment résoudre? Est-ce qu'en faisant, en adoptant ce fédéralisme, on serait encore dans l'état unitaire décentralisé que le président de la République a promis dans la Constitution? Ce mutisme apparaît donc comme une instrumentalisation. Mais l'on le définit également comme de la prudence après l'accueil moins chaleureux des populations vis-à-vis d'une certaine élite.
dans l'accueil qu'il a eu de la part des populations qui ne se reconnaissaient pas en cette élite-là, a dû nécessairement donner une leçon ou une indication à toutes les autres élites fabriquées ou légitimes qu'il était important de prendre la mesure des réelles revendications des populations locales avant de s'exprimer. D'où peut-être la prudence observée par certains aujourd'hui. D'ailleurs, en répondant positivement aux revendications posées par les manifestants au début de la crise, l'État semble avoir rempli une part de ses responsabilités. Reste donc que les élites apportent leur contribution au règlement de cette crise. Et depuis le début de la semaine, la presse camerounaise interroge finalement le rôle des leaders dans le nord-ouest et le sud-ouest après la libération des leaders du consortium et leur appel lancé au retour à la paix et à la non-violence. Les cas de violence sont plutôt quotidiennement enregistrés dans cette partie du pays. En cette journée consacrée à la paix, les Nations Unies appellent la communauté internationale à se mobiliser. À Yaoundé, le système des Nations Unies a organisé une rencontre autour de la situation des réfugiés. Ils sont nombreux dans notre pays. Certains sont même redoutés au point où des fossés sont perceptibles entre les autochtones et ces populations déplacées. Cet appel met également en place des mécanismes de dialogue et de sensibilisation qui mettent en scène ces mécanismes, la jeunesse. C'est l'objet d'une rencontre qui s'est tenue aujourd'hui ici à Yaoundé. Neliada. La situation des réfugiés dans l'extrême nord du Cameroun inquiète les Nations Unies. À la recherche de la sécurité et des meilleures conditions de vie, ils sont obligés de quitter leur pays d'origine à cause de la guerre et des attaques terroristes de Boko Haram. Ils sont très souvent victimes de traitements et abus des populations d'accueil. Peur de l'étranger, rejet, discrimination et tribalisme sont entre autres les exactions dont ils sont victimes. Afin de renforcer les idéaux de vivre ensemble et de paix entre les peuples déplacés et les populations camerounaises, le Bureau des Nations Unies de Yaoundé a organisé une table ronde au cours de laquelle le sujet des réfugiés était à l'ordre du jour. Que chaque pays ouvre ses portes pour accueillir les réfugiés et les migrants. Donc, ce qu'on retient pour cette journée, c'est que le Cameroun reste un pays d'accueil et que quand un migrant ou un réfugié vient, il faut qu'on les accueille, qu'on les reçoive et qu'on leur donne un sens à la vie. Depuis le lancement de la campagne de sensibilisation et d'acceptation de l'autre par les Nations Unies en septembre 2016, la jeunesse constitue un maillon fort car elle est porteuse d'un message d'intégration pour tous. J'appelle les jeunes à une citoyenneté responsable. J'appelle les jeunes à écouter leurs dirigeants et écouter les messages de paix, particulièrement aujourd'hui où nous célébrons la journée internationale de la paix, à faire le chemin ou à faire le pari de la paix. Et que la paix est une dividende essentielle sans laquelle il n'y a pas de développement. De cette conférence, il se dégage qu'il est plus que jamais temps de transformer la peur en espoir, la haine en amour, le tribalisme en acceptation pour un meilleur vivre ensemble entre les peuples. Car sans la paix, rien n'est possible. Et le constat est réel. Le monde observe une véritable dégradation de la paix. Plusieurs foyers de tension sont enregistrés pratiquement dans tous les continents avec la montée des extrémismes et du terrorisme. On note également que le monde semble fonctionner en plusieurs blocs aujourd'hui. La réforme de l'ONU est souhaitée. Beaucoup pensent que la dégradation de la paix est liée à l'échec des Nations Unies. Sidoine Mokam. De nombreux conflits constituent une menace pour la paix dans le monde. La naissance de plusieurs foyers de tension sous le regard parfois impuissant de l'ONU s'assimile aujourd'hui à ce que l'on qualifierait d'échec pour cette institution, même si pour certains experts, les responsabilités sont d'abord individuelles. La montée exponentielle de la violence et du terrorisme de manière globale ne résulte pas forcément, n'est-ce pas, de l'échec de l'ONU, mais en réalité de l'échec, n'est-ce pas, de certains systèmes étatiques ou des États du monde qui ne sont pas toujours à même d'assurer, n'est-ce pas, le minimum pour leur population. Né dans un contexte particulier avec des missions régaliennes, notamment le maintien de la paix dans le monde, cette institution peine quelque peu à s'affirmer face à l'évolution des sociétés et des démocraties. Redéfinir, n'est-ce pas, les forces qui régulent, ou les puissances qui régulent au niveau justement de l'ONU. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quelques chefs d'État africains estiment aujourd'hui que l'Afrique a désormais son rôle à jouer. Bien qu'elle soit considérée comme le gendarme du monde,
elle ne peut protéger entièrement les États face aux menaces pour certaines raisons. Responsabilité de la protection des États qui sont dont l'ensemble donne la résultante au niveau du monde relève des politiques purement étatiques et donc à ce niveau l'ONU ne saurait s'ingérer dans certaines affaires étatiques. Cependant, il reste que l'instance onusienne est de plus en plus critiquée au niveau de son fonctionnement et à ce sujet une réforme s'impose. Telle que proposée par le président américain Donald Trump. Les plus durs pensent que l'ONU est devenue un gros machin. Certains disent que l'Organisation des Nations Unies est peu efficace et budgétivore. C'est par exemple le cas du président des États-Unis d'Amérique. Il faut procéder à des réformes profondes. Cela suffirait-il pour ramener la paix dans le monde face au monde qui se divise de plus en plus en pôles? On parle d'une bipolarisation qui serait également à l'origine des désordres observés de nos jours. Mathieu Wamba. En cette journée internationale de la paix, le constat est clair. La stabilité mondiale est menacée dans un monde secoué par de multiples crises politico-militaires. Et alors que se tient à New York la 72e Assemblée générale de l'ONU, où les thèmes paix et sécurité tiennent le haut des discours, le constat des experts est alarmant. Les équilibres sociopolitiques sont fortement mis en question. Les intérêts géostratégiques des grands sur certains théâtres d'opération ne laissent personne indifférent. Terrorisme international, crise dans le monde arabe, le conflit israélo-palestinien, le nucléaire iranien et les essais nucléaires de la Corée du Nord retiennent l'attention et divisent encore un peu plus les dirigeants du monde. L'ONU, elle, reste comme impuissante face à la question. Tout cela crée des tensions perceptibles dont les secousses se font ressentir à cette 72e Assemblée générale. L'on serait en train d'assister à une bipolarisation du monde, avec de part et d'autre, la Chine et la Russie parrain de nouveaux États aux hégémonies prononcées, et que le président Trump, dirigeant du bloc Ouest, qualifie d'État voyou. Une situation inquiétante qui pourrait radicaliser les positions et entraîner un retour à la guerre froide, avec les grandes puissances nucléaires dont la Chine et la Russie, qui continuent d'appuyer les programmes nucléaires de l'Iran et de Pyongyang pour contrer la présence stratégique de l'OTAN, dans des zones d'influence à elle dévolue. L'interventionnisme tout azimut de Washington et ses alliés participent également à cette fragmentation des équilibres mondiaux. Si l'ONU, dont la réforme en trois points, qui avait été évoquée par le secrétaire général Antonio Guterres, est primordiale pour réguler et entamer une dénucléarisation de notre planète, la solution Macron d'un multilatéralisme et d'une amorce de dialogue avec même les plus récalcitrants est essentielle. Un pied de nez fait à Vladimir Poutine, absent de la grande messe politique, qui a cours à New York et dont les conclusions sont attendues au plus vite. Et demain, ce sera la prise de parole du président camerounais, le président Paul Biya, à la tribune des Nations Unies. On attend son mot sur la paix à travers le monde, la lutte contre le terrorisme et probablement les questions internes aux dimensions internationales que le Cameroun connaît. Hier déjà, c'était la prise de parole de Denis Sassou Nguesso, le président congolais, qui a parlé également de la mobilisation mondiale contre l'insécurité, le terrorisme, tout en évoquant également les questions économiques. L'Afrique a besoin d'un peu plus de soutien. Sylvestre Messi. Du haut de la tribune des Nations Unies, ce 20 septembre, le chef de l'État congolais s'est adressé à la communauté internationale. Dans une allocution d'une quinzaine de minutes en phase avec le thème de cette 72e Assemblée générale qui place l'homme et son biotope au premier plan, Denis Sassou Nguesso a réitéré l'engagement de son pays à œuvrer pour la paix en Afrique et dans le monde. C'est dans ce cadre que mon pays va accueillir le 19 octobre 2017, le 7e sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ayant fait de la protection de l'environnement son cheval de bataille, le président congolais a fait le point sur l'initiative du Fonds bleu. Cet instrument financier vise à assurer une meilleure qualité de vie à nos peuples et protéger les forêts du bassin du Congo, deuxième poumon vert d'un seul tenant du monde après l'Amazonie. Il a également réaffirmé le soutien de la République du Congo aux pays en proie à l'insécurité, particulièrement à la République centrafricaine et à la Libye. Je voudrais renouveler la détermination de mon pays à toujours œuvrer en faveur de la paix en Libye. C'est pourquoi j'exhorte la communauté internationale à appuyer les efforts du Congo.
devant l'Assemblée générale. Le chef de l'État congolais a aussi présenté la situation socio-économique et politique de son pays. La République du Congo traverse une étape marquée par un contexte socio-économique préoccupant dû à la chute drastique des coûts pétroliers. Des ajustements budgétaires sont désormais envisagés avec l'appui des institutions financières internationales. La prolifération en Afrique des médicaments contrefaits et le phénomène des migrations sont autant de sujets abordés par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Parlons des finances justement et l'économie congolaise, Christine Lagarde, qui est la patronne du Fonds monétaire international, a réitéré l'engagement de cette institution à soutenir les efforts de relèvement du Congo. Entre-temps, en République centrafricaine, la rentrée scolaire est lancée, comme vous le savez. Certaines zones dites difficiles ne réussissent pas encore à recevoir les enseignants. L'État a mis en place une série de mesures pour favoriser le retour dans ces zones des enseignants, avec par exemple comme principale mesure le paiement de 3 mois de salaire d'avance. Véronique Boudou. L'État, professeur Foster Akash Touadéra, enseignant de son État, n'a pas hésité qu'on interpelle pour qu'il décide de revoir à la hausse le budget de l'éducation nationale. Un message qui porte à croire que la situation de l'école en République centrafricaine reste et demeure une préoccupation majeure et permanente pour l'État. C'est ainsi que, sur proposition du ministre de l'Éducation nationale, Moukadas Nour, les instituteurs vacataires de certains établissements de l'arrière-pays devraient être redéployés. Pour permettre à ces derniers de se réinstaller dans ces zones à risque, 3 mois de salaire leur seront consacrés. Une nécessité qui passera naturellement au crible de certains critères. Il est question d'identifier le nombre d'enseignants par établissement et selon les besoins. Aussi, ces derniers devront dans l'immédiat regagner leur poste jadis abandonné suite aux exactions commises par les groupes armés. Une démarche de l'État appuyée par l'UNICEF qui ne cesse d'interpeller ses groupes armés à libérer ces établissements devenus des bases militaires. C'est des appels pour que les groupes armés respectent le droit de l'enfant à aller à l'école, pour qu'ils libèrent ces locaux et pour qu'ils laissent la rentrée scolaire se passer de manière sereine en Centrafrique cette année. Notons que l'importance portée à l'éducation est reconnue en République centrafricaine, raison pour laquelle l'État met un accent sur les efforts à déployer pour soutenir ce secteur. Il ne cesse de renouveler des contrats avec certains bailleurs qui l'accompagnent dans ce processus de réhabilitation. Judas a-t-il réellement trahi Jésus? C'est le thème retenu pour Au cœur du mystère, votre programme de tous les jeudis soirs, tout à l'heure à 21h avec Nathan Amour. Le thème, je vous le rappelle, Judas a-t-il réellement trahi Jésus? À suivre absolument. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition. Passez une magnifique soirée. Grand format de l'actualité sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, dégradation de la paix à travers le monde. En cette journée mondiale de la paix, la rédaction de Vision 4 vous propose un gigantesque dossier sur les causes de cette dégradation de la paix. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est pointée d'un doigt accusateur. On constate également une sorte de bipolarisation du monde, mais également le radicalisme qui s'est installé au niveau des États. Dégradation de la paix, à qui la faute? C'est la thématique principale de ce grand dossier. À la une de cette édition également, des questions autour de la liberté de la presse au Cameroun. Dans le cadre de l'affaire Ahmed Abba, le correspondant de Radio France Internationale, et les divers rapports qui accablent au Cameroun, les professionnels des médias vont réagir dans cette édition pour faire le point de l'état des libertés de la presse, mais également une parfaite connaissance des délits de presse dans notre pays. C'est également un focus à suivre absolument. En République centrafricaine, comment ramener les enseignants vers l'établissement scolaire dans les zones considérées comme peu stables? Le gouvernement centrafricain vient de prendre une série de mesures, la plus forte étant le paiement de 3 mois de salaire
aux enseignants appelés à retrouver leur poste de service. Madame Siouana pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au Nouveau Ce Journal par cette affaire qui secoue le Cameroun depuis 24 heures maintenant. C'est une nouvelle affaire de bébé porté disparu ou volé. Cette fois-ci, c'est le centre hospitalier et universitaire, le CHU de Yaoundé, qui est concerné. C'est une famille qui accuse cette institution hospitalière de distraction d'un bébé, un enfant prématuré qui est quand même décédé depuis le mois de juin dernier. Comment comprendre cette affaire alors que l'hôpital a réagi en brandissant un communiqué datant du 30 août et qui dégage sa responsabilité? Florent Zanga a mené une enquête. Près de 3 mois après l'annonce du décès de bébé Noah par le CHU, où il a été conduit quelques heures après sa naissance, la disparition du petit garçon, né prématurément à 6 mois, au quartier Nkolbison, ne semble pas convaincre les parents. Je dis que ce n'est pas mon bébé parce que, d'abord, quand j'ai accouché mon bébé était brun, bien brun, et il avait une petite tache noire au niveau d'ici là. Parce que j'ai vu mon bébé quand j'ai accouché. Celui qu'on nous a présenté n'avait pas de sens. Je ne sais comment expliquer. Selon le communiqué du centre hospitalier universitaire de Yaoundé, le bébé serait mort le 28 juin 2017, soit 5 jours plus tard, après son admission et mise à la mort en l'absence de la présence parentale. À notre grande surprise, le 27, on nous appelle que le bébé est décédé. Et c'est ce jour que j'ai reçu un interrogatoire de la pédiatre. Et elle m'a rassuré que le bébé se porte bien. Les parents saisis par téléphone sont signifiés de la nécessité de payer les frais d'hospitalisation et de morgue afin d'entrer en possession du corps du bébé qu'ils ont refusé. Mon bébé était pratiquement nu. Le genre où on n'avait que des fines chevelures couchées sur la peau. J'ai vu hier, la chevelure était pleine. Légèrement roulé, la chevelure était pleine d'ensure sur la tête. Le corps du bébé Noah se trouve toujours à la morgue du CHU. L'affaire fait l'objet d'une enquête à la police judiciaire de Yaoundé où un test d'ADN est envisagé. Il faut préciser que la direction générale du CHU a rendu public un communiqué datant du 30 août dernier sur 6 points pour dégager sa responsabilité, mais également informer les uns les autres de ce que le corps du bébé concerné serait encore à la morgue de ce centre hospitalier. C'est une affaire à suivre. Et puis Bamenda, le chef de la région du Nord-Ouest, a été secoué ce matin par l'explosion d'une bombe, dit-on, artisanale. On a là quelques images qui nous viennent justement de Bamenda sur le lieu de cette explosion, mais également des mesures qui ont été prises. Le bilan qui vient du Nord-Ouest fait état de 3 blessés, des policiers qui étaient en faction pendant ce malheureux incident qui a paralysé quelque peu le chef-lieu du Nord-Ouest en créant une sorte de psychose. Le gouverneur est descendu sur le terrain avec également un passage du côté de l'hôpital régional de Bamenda où les blessés sont actuellement suivis. Certains cas de ces blessures, selon des sources, semblent être graves. Un cordon de sécurité a été installé par les forces régulières. Et en fin d'après-midi, en début de soirée, le calme est revenu à Bamenda grâce également à printemps au dispositif mis en place pour la sécurité, le renfort des forces de maintien de l'ordre. À ce sujet, justement, je vous propose d'écouter le gouverneur de la région du Nord-Ouest. Il revient sur ce qui s'est passé. Je voudrais dire que nous avons vécu ce matin à Bamenda un incident des policiers de faction au service de la nation et de la République ont été la cible d'une attaque terroriste qui les a visés, entraînant la blessure de 3 d'entre eux qui sont en ce moment pris en charge à l'hôpital régional de Bamenda. Il s'agit là d'une étape nouvelle dans la situation à laquelle nous avions à faire face auparavant. Il s'agissait d'actions
de démobilisation de la population. Nous entrons maintenant dans une phase terroriste. Et bien évidemment, pour faire face à la situation, le gouvernement de la République va prendre toutes les mesures pour ramener la situation à la... Cette situation a suscité de nombreuses réactions, notamment celle de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui vient de réagir à travers un communiqué radio-télé. L'Union des populations du Cameroun écrit ceci: l'UPC a appris avec consternation l'attentat perpétré à Bamenda ce jour contre les forces de sécurité, acte qui témoigne de la détermination de certains groupes à déstabiliser le Cameroun. L'UPC dénonce les dérives de ce qui, jusque-là, semblait être une simple revendication visant à consolider notre vivre ensemble. Revendication à laquelle le chef de l'État a pris des mesures susceptibles de ramener la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Face à l'escalade actuelle, le parti historique invite les populations du Nord-Ouest et Sud-Ouest à plus de responsabilité devant cette tragédie, tout en appelant à la vigilance et au soutien à l'endroit du gouvernement et des forces de sécurité afin que la paix soit sauvegardée dans notre pays. Dans cette perspective, l'UPC apporte son soutien à nos forces de sécurité, au président de la République et chef de l'État pour prendre des mesures qui exigent la stabilisation de la situation. C'est signé du secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, l'honorable Robert Bapo-Lipon. Et puis une situation également critique enregistrée en fin d'après-midi cette enquête. Nous ne sommes pas en 3 mai, jour dédié à la liberté de la presse, mais c'est tout comme. Le récent rapport sur la protection des journalistes, initiative d'une association à but non lucratif, fondée depuis la décennie 80 et basée aux États-Unis, association accusant le Cameroun de museler la presse, donne du grain à moudre aux professionnels des médias camerounais. Sur l'état de la liberté de la presse justement, les historiens du présent ont de la suite dans les idées. Sur le plan de la liberté de la presse, malgré tout ce qui est dit, il y a quand même des efforts qui sont ressentis dans le cadre de la liberté de la presse dans notre pays. Des efforts que ce soit bien sûr sur le plan de la liberté de déclaration dans les médias, du traitement des sujets par la presse camerounaise, on ressent quand même une certaine liberté qui mérite d'être canalisée. On peut quand même se féliciter des avancées observées jusqu'ici, mais il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre d'entraves, il y a un certain nombre d'actions qui sont posées par un certain nombre de personnes ou d'autorités qui empêchent l'évolution de cette liberté de la presse dans notre pays. Des avancées louables, certes, mais encore faudrait-il reparer quelques manquements pouvant donner raison à ces chancelleries occidentales promptes à grossir les faits à la moindre occasion. C'est de la responsabilité aussi du gouvernement de voir comment capitaliser le secteur des médias, comment le foisonner dans le cadre économique pour qu'il y ait moins de dérapages, moins d'écarts de comportement et qu'on ait une presse un peu plus libre, parce que le gouvernement aussi doit savoir que s'il continue à tirer les ficelles à travers la bourse qu'ils détiennent et que les autres n'aient pas la bourse, je parle de nous, et forcément il y aura des dérives et des dérapages et l'extérieur va nous frapper dessus. Pour le cas Ahmed Abba, argument utilisé pour condamner le Cameroun, les précisions sont faites sur le contexte de l'arrestation de ce correspondant réel ou supposé de la Radio France Internationale. Nous étions dans une situation de crise et cette situation de crise a bel et bien voulu que l'État puisse entreprendre certaines initiatives afin de ne pas perturber la sérénité des populations camerounaises. Par conséquent, donc, tout acte ayant un lien avec, bien sûr, le terrorisme devait être condamné et les coupables devaient être sanctionnés. Entre accusation et récusation, au sujet du traitement infligé aux journalistes, nombre d'observateurs formulent le vœu ardent de voir le landerneau médiatique sous un beau jour. Ministre de la Communication, il n'y a pas de journalistes en prison au Cameroun, notamment ceux qui auraient été arrêtés et poursuivis pour des pratiques liées à l'exercice de leur métier. Et du coup, la question revient au goût du jour, celle concernant les délits de presse. À quel moment doit-on parler de délits de presse, de fautes commises par les journalistes dans l'exercice de leur fonction? C'est l'objet de cette enquête menée par Gaël Jakam. Le délit de presse au Cameroun, une expression certes connue de tous, mais en même temps difficile à cerner.
Un délit de presse, c'est un délit commis par le moyen d'un organe de communication, la radio, la presse écrite, la télévision et tous les autres moyens de communication. C'est-à-dire qu'on a publié ou diffusé une information qui est constitutive d'une infraction prévue soit par la loi sur la presse, soit par le code pénal. Le code pénal, quant à lui, n'a pas encore attribué une définition à ce concept. C'est-à-dire que pour parler de délit de presse au sens juridique du terme, il faudrait que ce délit soit fixé par une loi sur la presse. Parlant du statut du journaliste en ce qui concerne cette question, il est de bon ton de noter que ce dernier est incontestablement le sujet le plus exposé à la commission du délit commis par voie de presse. Un tel acte ne saurait dès lors passer inaperçu au regard de la lourde tâche qui lui incombe dans l'exercice de sa profession, celle de la collecte, du traitement, de la diffusion, en passant par la vérification de l'information. Pour le professeur Albin Bida, le terme dépénalisation relève sans doute d'une violation d'un principe de la démocratie qui prône l'égalité des citoyens devant la loi. Mon avis est connu de tout le monde. La dépénalisation des délits de presse serait d'abord une idiotie juridique. Parce que si on dit dépénaliser, ça veut dire qu'on supprime les peines. Est-ce qu'on va donc laisser les gens commettre des infractions parce qu'on aura supprimé les peines? Et qu'en est-il de l'affaire Ahmed Abba? L'enseignant de journalisme déclare dans son interview accordée au journal Essentiel qu'il ne s'agit pas d'un délit de presse. Ce monsieur est poursuivi en tant que citoyen, conformément aux dispositions de l'article 107 du Code pénal. C'est dire que le délit de presse ne saurait alors rimer avec délit de droit commun. Reparlons de cette crise anglophone. À la suite de l'explosion de cette bombe, des mesures conservatoires ont été prises à Bamenda avec un couvre-feu de 19h à 6h du matin. Et cet événement arrive pratiquement 10 mois après le déclenchement de la crise anglophone. L'État a déployé structures et initiatives, mais l'observation générale fait état de l'absence sur le centre des négociations des leaders d'opinion politique, notamment l'élite du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 10 mois plus tard, pas d'action forte, mais surtout des réactions fortes des observateurs. Michel Siré-Tchungi. Les fauteurs de troubles dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont identifiés depuis le début de la crise. Il s'agit bel et bien des fils de ces deux régions, connus par des élites qui jusqu'ici sont muettes. Aucune descente sur le terrain pour apaiser les tensions. Nous relevons l'inertie des élites qui ne sont pas descendues sur le terrain, soit pour essayer d'apaiser, soit pour ramener à l'ordre ces jeunes qui descendent dans la rue pour détruire. Elles sont pour la plupart restées dans leur fauteuil huppé. La destruction des édifices publics n'est pas leur affaire. La sécurité des populations également. Du moins, quand leurs intérêts ne sont pas menacés, il n'y a pas lieu d'intervenir. Du coup, la légitimité est mise en cause. Il y a une question maintenant entre l'élite politique et l'élite légitime. Est-ce que l'élite qui jusque-là a été positionnée comme étant l'interface entre le pouvoir gouvernant le Yaoundé et les populations sur le terrain, est-ce que cette élite-là a été effectivement légitime pour être l'interlocuteur, c'est-à-dire celle qui porte les désidérata des populations à la base vers le haut? Le Social Democratic Front, parti majoritaire dans ces régions, est dans la danse. Ces leaders tiennent plutôt un discours qui ne fait pas avancer. Ils proposent littéralement le fédéralisme. Mais est-ce que c'est le fédéralisme qui va vraiment résoudre? Est-ce qu'en faisant, en adoptant ce fédéralisme, on serait encore dans l'état unitaire décentralisé que le président de la République a promis dans la Constitution? Ce mutisme apparaît donc comme une instrumentalisation. Mais l'on les définit également comme de la prudence après l'accueil moins chaleureux des populations vis-à-vis d'une certaine élite. Non, l'accueil qu'il a eu de la part des populations qui ne se reconnaissaient pas en cette élite-là a dû nécessairement donner une leçon ou une indication à toutes les autres élites fabriquées ou légitimes qu'il était important de prendre la mesure des réelles revendications des populations locales avant de s'exprimer. D'où peut-être la prudence observée par certains aujourd'hui. D'ailleurs, en répondant positivement aux revendications posées par les manifestants au début de la crise, l'État semble avoir rempli une part de ses responsabilités. Reste donc que les élites apportent leur contribution au règlement de cette crise. Midi
à Tchang, dans le chef-lieu du département de la Menoua, région de l'Ouest. C'est un immeuble de 5 niveaux qui s'est effondré. Un immeuble encore en chantier. Vous allez le voir dans les images que la réalisation va certainement nous proposer. C'est ce chantier qui a connu cet incident grave. Actuellement, les secours sont mobilisés sur le terrain. Le gouverneur de la région de l'Ouest vient également d'arriver du côté de Tchang. Les sapeurs-pompiers partis de Bafoussam sont à pied d'œuvre. Toujours pas de corps ou de vivants retirés des gravats. On va essayer de faire le point avec le maire de la commune de Tchang, Baudelaire Donfac, qui est sur le terrain depuis 16 heures. Heure de survenue de cet événement. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Vous êtes justement à Tchang. On annonce l'arrivée sur le terrain du gouverneur de la région de l'Ouest. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il en ce moment sur le terrain? Les engins continuent à enlever les gravats pour qu'on puisse faire avoir d'accès et essayer de voir si on peut avoir des survivants dans les décombres. Donc à l'heure actuelle, il y a un corps qu'on a pu percevoir à partir de voies qu'on a créées, mais il est sous une dalle. Donc il y a possibilité de faire qu'il y ait des survivants. Mais la cause est extrêmement très très difficile puisque nous n'avons pas les engins appropriés pour ce genre de catastrophe. Donc depuis 16 heures, les populations et toute la ville de Soukla, la ville de Tchang, on est debout. C'est à côté de ça, au lieu du sinistre, nous tentons de ça, de voir si on peut avoir des survivants. Cet immeuble était encore en construction. Une pluie diluvienne s'est abattue aujourd'hui du côté de Tchang. Est-ce que les services techniques de la mairie et haute autorité ont quand même veillé à ce que l'immeuble soit construit dans le respect des normes? Allô? Allô? L'immeuble était en construction, était en construction. Et au bout de ce jour, il y avait 8 personnes soir, qui y travaillaient. Il y a un qui le soir a décidé d'aller manger. Il est revenu là, il a trouvé le soir que l'immeuble était effondré comme un chantier de carton sur la pluie qui est tombée, qui a arrosé notre cité cet après-midi. Donc entre 15h30 et 16h. Donc, c'est le seul suivant que. Pas suivant ce C'est un immeuble R+5 qui s'est ainsi effondré. L'immeuble était encore en chantier. Le gouverneur de l'Ouest est déjà sur le terrain. Les sapeurs-pompiers partis de Bafoussam s'activent avec le secours des populations pour essayer de retirer soit les corps, soit des survivants. Et des informations que nous avons, notre correspondant sur place indique que les voix sont entendues au fond des gravats. Il y a également un manœuvre sur le terrain qui dit avoir reçu un coup de fil du chef chantier qui serait également prisonnier du béton. C'est une affaire que nous suivons attentivement. On aura certainement d'autres informations avant la fin de ce journal. Le Cameroun, depuis hier également, a ouvert un nouveau débat sur la liberté de la presse. Un rapport venant du Comité pour la protection des journalistes indexe le Cameroun, indiquant que le Cameroun étudie désormais la loi antiterroriste pour museler la presse. Le ministre de la Communication a réagi hier au sujet de cette affaire qui concerne le correspondant des RFI détenu et emprisonné au Cameroun. Les hommes de médias ont réagi également. Y a-t-il une frontière entre les délits de presse et les faits qui semblent peser contre ce correspondant de Radio France Internationale? La liberté de la presse est-elle menacée au Cameroun? C'est l'objet de